Bonjour, bienvenue sur Radio Nova, Nova Planète. Nous sommes au Festival de Cannes. Comme vous le voyez, je suis en train de préparer l'émission de ce soir avec Mathilde qui nous a fait un magnifique reportage sur pourquoi et comment ça marche. Cannes pour les nuls, ce sera aux alentours de 18h30. Marie qui passe son temps à appeler des gens pour leur dire « Est-ce que vous voulez venir jusqu'à la Villa Schweppes ?» En général, ils disent oui parce que c'est Radio Nova. De la musique, donc, des invités. Léo Haddad, ce grand critique de cinéma un petit peu angoissé. Il y aura également Enora qui est très habillée pour l'occasion. Et puis de l'inattendu, puisque c'est la Villa Schweppes, puisque c'est Cannes et puisque c'est glamour. Voilà. C'est le programme jusqu'à 20h ce soir. On se retrouve juste après. C'est mon premier Cannes. Moi aussi. Toi aussi. Et j'ai eu cette impression déjà. J'ai toujours vu cette montée des marches filmée avec un grand angle. J'ai toujours eu l'impression que c'était un endroit immense avec énormément de gens. Il y a énormément de gens. Mais c'est tout petit. C'est tout petit. Et puis, c'est un peu ridicule, à vrai dire, puisque... Il y a cette espèce de tapis, il y a des kilomètres de tapis rouge sur la croisette. Oui. Donc les gens arrivent de très très loin, tout est bloqué. Et en fait, donc, il y a une espèce de marche comme ça qui s'instaure, où les gens assistent à cette marche avec des escabeaux. Ils mettent des escabeaux tout le long, t'as vu ce truc, oui. C'est complètement dingue. Et là vraiment, c'est la marche de l'empereur, des pingouins et des pingouins qui passent et qui passent jusqu'à ces marches donc, qui sont assez inaccessibles et qui ne sont pas si grandes que ça. Et du coup, c'est vrai qu'à voir de près, c'est un peu irréel et c'est presque un peu... c'est un peu décalé, c'est un peu surréaliste, en fait. On se dit, tiens. Et en fait, tout tient au mythe et au glamour des stars. Oui, c'est vrai. Rien ne tient aux objets, en fait. Rien ne tient au décor. Qu'est-ce qui vous éclate dans une reprise? Qu'est-ce que vous allez chercher? Parce qu'il y plein en a de plein. Choses. Il n'y a pas de règles. Ça peut être juste un gag. Ça peut être parce que c'est une façon de découvrir un groupe émergent aussi. C'est une clé facile pour entrer dans l'univers d'un artiste. Il y a plein de raisons, des bonnes, des mauvaises. Et moi, c'est vrai que c'est un univers qui me passionne depuis toujours. La nouvelle, elle sort le 22 juin. J'en ai un sampleur dans les mains avant tout le monde. Voilà, c'est un mania. Donc il y a deux collections. Là, ce soir, on fait une soirée Paris-Première à la Villa Schweppes. Et demain, c'est le lancement d'un swing mania. Voilà, c'est quoi un swing mania ? Et ben, moi, je trouve que c'est. On est un peu dans une période de crise. Et le swing, c'est une musique. Moi, j'en passe dans mes soirées depuis longtemps. Qui rend les gens heureux et un peu dingo. C'est assez agréable. Swing Mania, ce sera le 22 juin dans les bacs. Et puis, la fête ce soir ici à la Villa Schweppes pour la soirée Paris Première. Mais il y aura aussi demain à la Divine Comédie à Cannes, l'avant-première de la sortie swing. Il faut qu'on s'habille avec des petites robes. Ah oui, moi j'ai une petite robe à perles, hein, personnellement. D'accord, mince, j'ai pas emmené la mienne. Donc l'émission vient de se terminer. Comme vous voyez, je suis épuisée. Je pense que je vais devoir aller me rafraîchir quelque part par là. Il y a ce ponton absolument sublime qui m'attend avec des tas de gens glamour, hein, puisque ce soir, c'est la soirée Paris Première. Demain, ce sera Cut Killer qui sera là. Il viendra d'ailleurs dans l'émission. Et puis on ira faire un petit peu de Staff Ben Dabé-Lili, parce que j'ai vu le film ce matin à 9h. Vous vous rendez compte, c'est un travail de fou. C'était génial. Donc, on en parlera demain. Je vous souhaite une très bonne soirée, parce que là, j'ai des trucs hyper importants à aller faire. À demain. Ciao.